Léonie Nakarawa qui était placé dans la ligne de 3 quarts. Machado maintenant avec Lambi. Lambi. Ah, il est passé. Fakatawa est passé. Dirimi va couper. L'extérieur, il a trouvé Teddy Thomas. Teddy Thomas dans le couloir. Allez, Teddy. Allez, Teddy. Le doublé de Teddy Thomas pour le Racing 92. Avec Fakatawa qui décale Brice Dulin, le relais main-main pour le 3 quarts centre qui dépose tout le monde et d'après sur le deuxième essai. Place du top 14 et donc à une qualification directe en demi-finale. Le Racing va faire le forcing pour marquer cet essai du bonus offensif quelques minutes plus tard seulement avec ce bon mouvement et cette schistera de Fakatawa pour Teddy Thomas qui marque. Et les Racing men continuent de se nourrir des ballons de récupération. Regardez celui-ci avec Virémi Fakatawa qui décale Baptiste Chouzlou. Le troisième ligne est plaqué dans les 22 mètres. Il temporise et remet en tombant à Louis Dupichot qui va marquer le deuxième essai du Racing 92. Mêlé au centre du terrain, l'action des Franciliens avec Pat Lambi qui sert Henri Chavancy, déjà auteur d'une course décisive sur la première réalisation de son équipe. En prenant l'intervalle, ça permet de jouer le surnombre et d'offrir le doublé à Virémi Fakatawa. Terminé, fumé de ce ballon perdu par les Parisiens dans les 22 mètres franciliens. Fakatawa s'en saisit et accélère, il dépose toute la défense parisienne. Le petit coup d'œil ensuite, le coup de pied millimétré pour Teddy Thomas qui s'offre un doublé.
séquence de jeu là. Défi physique, attention, c'est trouvé, Teddy.